Eh bien, avant tout, on était ravis de sponsoriser une femme, Le Havre. C'était déjà un joli défi. On s'est dit pourquoi pas. On est partenaire de pas mal de grands clubs, Le Havre football, Le Havre basketball, le STB. Et quand Amina s'est présentée à nous, on s'est dit que c'était un joli défi de l'accompagner. Et puis notre rencontre a été sublime. Voilà, donc on est vraiment, vraiment très, très fiers de cette soirée. Oui, oui, évidemment, ça nous touche parce que c'est à Paris, parce que les Jeux Olympiques, ça touche un grand nombre de publics, ça touche tout le monde. Et quand on nous a dit son parcours, quand on nous a expliqué aujourd'hui son défi, et comme elle le dit, c'est pas aller chercher la qualification, mais c'est aller chercher la médaille d'or. Alors là, c'est extraordinaire, on peut pas dire non, quoi. Donc forcément, on a plongé tout de suite. Oui, exactement comme l'issue de cette soirée, on a expliqué depuis le début. Par soutenir un sportif local, c'est déjà chouette. Là, c'est un parcours international qui s'est présenté. L'occasion est belle. Elle a un fier parcours pour l'instant qui est réalisé. Elle a une hargne d'enfer. Et puis nous, on est un peu chauvin aussi pour Le Havre, donc ça tombe très très bien, quoi. C'est une belle association pour l'instant.